Hey. Alors, faites pas gaffe, ni à ma voix, ni à ma tête. C'est le matin, je viens de me réveiller. Et j'ai cherché hier à savoir ce que j'avais mal fait, encore. Et il en ressort que bah, l'enfermer dans la pièce n'était pas du tout une bonne idée parce qu'il faut vraiment que je rentre dans cette pièce. Et qu'elle n'en sortira pas. Du coup, je suis revenue en arrière. Voilà. Bon, je vais pas me remettre cette cinématique. Et je suis un peu deg parce que la personne qui jouait sur le let's play que j'ai regardé, il a réussi à simplement faire ça. Et hop. I have to hide and try not to make a sound, at least until she's here. I told Ashman that we didn't need desperate children. Vous voyez pourquoi ça me saoule énormément. J'ai tourné pendant 20 minutes cette fois. Pour arriver à trouver ce que je vais faire. It would be best if I just told him I don't work with Et en fait, bah, j'étais déjà foutu d'avance. Parce que. Mais honnêtement, je pense que c'était un bug, hein, le fait que si je rentrais dans la pièce, ça. Ça me recharge en arrière à chaque fois. Je vois. This is supposed to be a hotel. Toujours est-il que j'ai la clé de la pièce où je devais aller. Et donc on y va. Okay, I have to find the film before saying goodbye. It was here, I'm sure of it. Là, il y a une tasse. Question que je me pose, comment tu fais pour reconnaître un film d'un autre sur des bobines comme ça? Je veux dire, j'imagine que c'est marqué dessus, mais. Non, 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 non! I'll take this, my dear. You cannot stop her, and it certainly won't be stuff like this that is going to stop her. And it's all your fault. You helped Gloria with it, breaking Wyman's loop. You asked me to do that. You were the ones who gave Gloria this power. Don't you understand? This doesn't only concern Lynn or me. This concerns everyone. It's useless. Your sister is controlling us like puppets. As did Wyman, waking up Lynn from the limbo. This is the only way we can get rid of her. Gloria will only grow. She will continue to grow until she's gotten her revenge. You too will be part of her revenge. That same revenge which is consuming every cell in your body. My mother, she never loved you. Richard Felton, my father, is the only one she ever loved. That thing? A laughing stock! I am your father! No! Richard is and always has been! Regardless of his gender! Who cares? He brought me up! He was a great father! You're only a child! You are a laughing stock! A ridiculous child! Why don't you go play with your dolls? Keep your nose out of these things! Why don't you behave like other children? Play hide and seek or ring around the rosy. Yeah, let's do that for old time's sake. I have to make sure they don't find me. Okay, I have to return to the basement and play this film on the projector. Mais j'ai comme toujours pas bien compris. Comment on est arrivé là en fait? Merde. Je prends les mauvaises routes. Ah merde! C'est rien. On enchaîne, on passe par là. Hop,
C'est par là, je crois. Petite sauvegarde en passant. Je pense que si j'étais capable de retenir l'emplacement de cette porte, ça m'éviterait de perdre du temps. C'est celle-là, ma chambre. I can't believe I'm still dragging around this lice-infested suitcase. Et ça, c'est le truc que je comprends pas. C'est que on était passé par une trappe là. D'accord, j'ai trouvé. Parce que ça m'avait fait réapparaître devant le sac, donc moi je m'étais dit que c'était lié au sac. Diffuser le film dans la salle de projection. Il y avait l'autre qui était ici, je crois. Ou alors il s'est barré aussi, là. Je sais pas. Mais alors, je diffuse le film ici, d'accord? Mais elle est pas ici. Du coup, ça sert à quoi? Et ça bug. Hein. Ah, je suis elle. Ok. Ou alors je me rebelle pas et je suis au feu. Mais quoi? Juste ta mémoire sans toi. Gloria. You. All this time. It's all because of you. I'll make you pay. Ah ben normalement cette fois-ci c'est arrangé. Started the fire. She betrayed all of you. She didn't have a choice. You tricked her, drugged her, and forced her to do it. Gloria, you believe me, right? Oh!
D'accord, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok, ça aussi. Je me demandais pourquoi elle avait une tête bizarre. All of you! Quoi, moi? Je comprends pas tout ce qui se passe. De toute façon, elle peut pas mourir dans la mesure où elle nous attaque dans le premier. Je commence un peu à comprendre l'histoire. Enfin, au moins, là, tous les personnages sont presque clairs dans ma tête. Presque. Sérieux, je joue pour Solène. Est-ce qu'elle va en endroit précis ou est-ce qu'elle avance en ville? That song, it's inside my head. J'arrive plus à rien. Pourquoi chez les QTE? Donc on se le dise, la musique épique en ayant perdu la meuf, ça marche moins bien.
Ah mais je l'ai retrouvé. Pourquoi de temps en temps il plante comme ça? Ah bah j'ai reperdu. Pardon. Je tousse de détresse. Ah! Quoi? Ah, elle s'est TP là en fait. Promise me that you'll put an end to this. I'm not going to promise anything. That you'll put an end to all of this. I want you to shoot me. Promise me. Promise me. Okay. Okay. I know that shortly after she returned to her parents, the Feltons, but things got out of hand. And you know, Gloria kept her promise. Her thirst for revenge was not quenched. But Jennifer managed to run away. I know that she's somewhere in Sweden now. She writes. She's a writer or something like that. Her publications are signed under a pen name. How many other people? What do you mean? Before you successfully found that Jennifer and brought her to the Ashman Inn. How many before her? How many girls did you suspect to be the Mother Acherontia to then end up living under Porcelain's mercy? How many? They were simple mistakes. How many simple mistakes? 14. 14 altogether. You'll shoot me, won't you? Right? Est-ce que c'est vraiment le sauver que de le laisser pourrir comme ça? Oh, les... Il souffrirait plus en restant en vie, mais pourrait faire plus de dégâts aussi. Voilà. Bref.
7, please take your seat. Attention, please step away from the security line. Lynn. Attention, please step away from I can't. You heard what Gloria said earlier on. I have to go back. I have to return to my parents. But what about the contest? I'll be there. I promise. Promise me. I promise. Oh, this is yours. What an odd name for a violin. Reed Rosemary. D'accord. Rosemary. I prefer Reed. Take it with you. You give it back to me at the theater. C'est pour ça, Julie. Now you have no excuses for missing the performance! I'll see you there! Promise me! We'll see each other at the top of the world! Et du coup, elle est pas venue. I didn't keep that promise. I returned to my parents the following day, the Feltons. Gloria followed me shortly after. She managed to subdue them. She got her revenge. I ran away again, leaving everything behind. I'm sure that if I hadn't, she would have killed me. And Lynn was just left there waiting for you. Madam, how did you come to know about this whole story? Did Rosemary, Lynn, try to contact you? No. She didn't. I think that as long as she knew that I was safe, and I had forgotten everything, nothing else mattered to her. But this doesn't explain everything else. It happened last year. Yes? Am I speaking with Celeste Felton? Who are you? I'm calling on behalf of Miss Lindsay. She is very weak now, and has asked to see you. Oh. Ça aurait pas pu se terminer d'une façon mignonne. Genre, ils se sont retrouvés, elle s'aime. Ils font de la musique. Ça n'a aucun sens. She left the following day. C'est super triste. Ashman was right when he said Lynn was Wyman's inheritance, and the only thing that he left her was his Alzheimer. This is from her. Mm-hmm.
Ah, je crois que ça représente tous les documents que j'ai trouvés dans le jeu. Peut-être. Ouais, à mon avis, c'est ça. My older sister. Oh. I was only 2 years old. Non, d'accord. By now she would have been. On l'a vu ce dessin. 64 years old. She was one of the other Jennifers. One of the 14 gone missing. Kidnapped, killed. Before they successfully found the right one. Me. Lynn never managed to come to terms with it. For all these years, she held on to my memories, her own, and those of the other victims. I know she went back to the top of the world. Many times, hoping that maybe one day my memories might resurface. And she would find me there at the theater on the stage at the piano. Et un jeu de plus. Qu'on a terminé. Bah, ça change jamais dans cela. Franchement, je croyais pas que j'allais y arriver avec tout. Je sais même pas si on peut. Si, j'ai des bugs. À certains moments, l'ennemi est assez bloqué. Mais Mais ouais. J'avais enroué. À certains moments, je pensais vraiment que j'allais devoir arrêter sans voir la fin. Ça m'aurait emmerdé. Parce que ouais, quand c'est pas des bugs qui font qu'un ennemi ne veut pas mourir et bloque, bah tu te rends compte qu'en fait t'avais juste intérêt à gérer avec une porte pour que ça débarque. Mais bon. Faut quand même reconnaître que l'histoire est vraiment cool. Ceci est un chat qui passe. La musique aussi. Visiblement, j'ai pas le droit de passer le générique de fin. Et d'habitude, au moins moyen d'accélérer en fait. Mais donc voilà. Ouais, je trouvais que le jeu était vraiment cool. Parce que j'ai cette capacité de mettre
de côté mon énervement vis-à-vis de tout ce qui marche pas. Et du coup, le jeu suivant, je sais pas encore si ce sera la suite de... Ah, ça s'appelle comment déjà ce jeu ? En gros, j'ai le jeu Inside. Ceci est un chat très mignon. Qui est la suite d'un autre jeu que j'ai déjà fait avec... petit gamin en 2D dans la forêt. Je sais plus comment s'appelle ce jeu. Enfin bref, j'ai Inside. Et j'ai le fameux jeu Stray. Qui est sorti il y a pas longtemps, et on incarne un petit chat. Tu veux que j'incarne un petit chat? Ok. Je sais pas lequel est le plus long. Je vois peut-être les deux en parallèle, je crois. En vrai, je pense que j'ai quand même commencé par Inside. C'est comme j'avais déjà fait le premier, ça serait parti. Bon, il est long ce générique. Attends, je vais faire la papote avec mon chat. Oui, c'est toi mon chat. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas. Je suis pas encore assez bien réveillée. En vrai, je pourrais totalement couper le live maintenant. Je pense pas que les gens restent juste pour entendre la fin de la musique et voir la fin de... générique. Peut-être pour voir mon chat. J'avais d'autres jeux en préparation aussi après ces deux-là. Bah déjà, j'ai tout le remaster d'Amnesia. Que je suis pas sûr d'accrocher, mais bon, ça va le coup de tester. Enfin bref, je suis pas prêt de m'arrêter. Voilà. On est de retour sur l'écran d'accueil. Je quitte là et je coupe le live. Et on aura réussi à ce que le dernier épisode dure 33 minutes. Et ça c'est beau parce qu'habituellement à chaque fois je fais des cuts au mauvais endroit. Et franchement à un moment donné j'ai hésité. Et j'ai bien fait parce que sinon le dernier épisode aurait duré 5 minutes. Comme ça avait été le cas pour le médium. Bon, si quelqu'un est resté jusque là, n'oubliez pas que toutes mes vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom que ma chaîne Twitch. Et à bientôt pour de prochains jeux. Bye bye.